Dans le nord de la France, ces blés qui recouvrent les grandes plaines du pays d'Artois ont permis de construire des édifices de pierre. La région est jalonnée de châteaux et de demeures cossues qui dévoilent une prospérité méconnue. Elle raconte la naissance d'une société nouvelle, une bourgeoisie qui a lutté pour s'affirmer. Ici, quand on achète un château comme M. Dragesco, on entre en relation avec ces bourgeois nantis qui se voulaient gentilshommes. Je crois que c'est une famille qui a voulu imiter la noblesse et c'est dans des petits détails que l'on voit qu'on a fait quand même des économies. Cet escalier, qui est d'ailleurs typique de la région, est entièrement en bois slouté, mais imitant le fer forgé peint et doré, alors qu'en fait ce n'est que du bois. Et en plus, la magnifique sculpture ne se trouve que du passage du public et de la famille. Alors que quand moi je vais me coucher, je me retrouve avec une balustrade qui est brute, qui n'est pas du tout sculptée de ce côté-là. Grâce à ces terres généreuses situées à la croisée des routes marchandes, une bourgeoisie prospère s'est constituée ici dès le Moyen Âge. Et du petit bourg d'Arras, elle a fait une ville ravissante, dotée d'une identité à part entière. Mais cette bourgeoisie-là ne s'est jamais contentée de faire fortune. Quelle que soit la puissance voisine qui tentait de la soumettre, de la Flandre aux Pays-Bas espagnols, de la Bourgogne à la France, elle s'est toujours évertuée à défendre son bien le plus précieux, sa souveraineté. Si ses façades à pignons ont été rebâties pierre, après avoir été mises en ruine durant la Première Guerre mondiale, c'est parce qu'elles reflètent l'épopée glorieuse de la ville d'Arras. Cette cité du nord de l'Europe fait partie du comté de Flandre lorsque sa grande place commence à résonner des harangues des paysans et des commerçants qui négocient ici leurs céréales dès le XIe siècle. Comme vous pouvez le voir, sur de très nombreuses façades, vous avez des gerbes de blé qui, à l'heure actuelle, nous rappellent cette fonction de grand marché au grain de la ville d'Arras. Ce grain était naturellement vendu localement, vendu régionalement, mais il y a aussi des marchands qui venaient de Bruges, qui venaient d'Anvers, qui venaient de la région parisienne pour justement acheter du grain. N'oublions pas que dès le Moyen Âge, l'Artois passait pour une des plus riches provinces productrices de blé et que les années de disette, Arras exportait beaucoup. Les bourgeois d'Arras s'enrichissent, bâtissent. Ils se font une raison des changements de couronne, de la domination des ducs de Bourgogne au XIVe siècle, pourvu que leurs affaires prospèrent. Avec l'appui des banquiers, les commerçants innovent. Grâce aux foires de Champagne qui animent la route des échanges entre Flandre et Italie, ils exportent ainsi des draperies particulièrement prisées. Le commerce en est régulé dans la rue de la Taillerie, qui relie les deux places de la ville. Ce que l'on va vérifier à la halle aux draps, numéro 10 derrière moi. Vous voyez encore un drap plissé qui évoque cette halle aux draps qui a été construite au XIVe siècle avec l'accord des ducs de Bourgogne. Tous les draps fabriqués devaient être portés ici, exposés et vérifiés. On vérifiait la taille, la taillerie. Donc cela montrait qu'on désirait la qualité. Cette qualité permet au commerce arageois de s'étendre à travers la ville. Au point qu'Arras compte une deuxième place, petite par son nom mais non par sa taille, la petite place où se tient le marché millénaire à l'autre extrémité de la rue de la Taillerie. On y vendait toutes sortes de choses, mais je ne retiendrai que ce qui était le plus extraordinaire. On y vendait du saumon. C'est normal. On y vendait de l'esturgeon, c'est moins ordinaire. Et surtout, on y vendait de la baleine séchée. Et comme vous pouvez le voir sur l'enseigne, cette baleine nous rappelle qu'il y avait un rapport à Arras avec les importations, et notamment de viande de baleine qui venait de la Baltique.
Dans l'Europe morcelée du XIIIe siècle, commerçants, banquiers ou artisans, cette nouvelle société des villes ne se contente plus de s'enrichir. Elle veut s'administrer. À Arras, les habitants fortunés obtiennent le privilège de régir la ville. Petit à petit s'organise l'échevinage. Et l'échevinage a à sa tête un mailleur, hein, qui est un personnage considérable, réélu tous les 2 ans par l'échevinage. Il représente le pouvoir de gestion, le pouvoir politique de la cité. Tous les habitants d'Arras ne pouvaient pas prétendre à être échevins. Il fallait appartenir à la bourgeoisie d'Arras, être natif d'Arras, et comme malgré tout ça coûtait quand même aussi de l'argent, hein, pour le vêtement et autres, eh bien il fallait avoir des moyens qui permettaient d'être échevin. Donc vous voyez, c'était la bourgeoisie qui était essentiellement représentée face au pouvoir royal, toujours puissant. Échevins et mailleurs se réunissent à l'hôtel de ville, bâtiment symbole des libertés communales, au centre duquel pointe un balcon. On appelle ça une bretèche. C'est là que le mailleur ou un des échevins pouvait prendre la parole et lire l'arrêté qui venait d'être pris par l'échevinage d'Arras. C'est le symbole d'une couche sociale, la bourgeoisie, qui va donner la règle pour le peuple. Donc une dizaine d'échevins qui prennent des décisions fort importantes, et notamment la construction du beffroi. Car la réussite de la ville doit s'afficher. Et c'est en la couronnant du monument phare des villes du nord de l'Europe qu'elle le fait. Les premiers beffrois, ça représentait la commune qui s'érigeait en pouvoir et qui élevait sa propre tour contre le pouvoir, naturellement, du souverain, même si le souverain avait accordé une charte. Ici, notre beffroi, il est très tardif. Et donc, il a plutôt un rôle de propagande, un rôle de majesté, pour montrer qu'on est dans une ville opulente. Mais le destin d'Arras bascule quand la ville se retrouve privée de sa souveraineté. Après sa conquête par Louis XIII en 1640, l'absolutisme français met l'échevinage au pas. Près de 30 ans plus tard, Louis XIV et son ingénieur Vauban verrouillent les nouvelles frontières du royaume en bâtissant toute une ceinture de citadelles. Arras perd son statut de carrefour pour devenir une place forte. Aux portes de la ville, la citadelle brille d'ingéniosité. C'est d'abord des ouvrages de terre, mais avec devant une couverture en pierre et ici localement en briques, qui vont être en plus biseautés pour faire ricocher les tirs et si jamais le tir réussit quand même à rentrer dans le mur, pour absorber le choc du boulet et limiter son impact. Mais la citadelle n'a pas été pensée seulement contre une menace extérieure. Un ennemi bien plus pernicieux inquiète le monarque absolu, les bourgeois d'Arras eux-mêmes. Il y a vraiment une volonté de surveiller, de pouvoir éventuellement mater une révolte des Arrasois. On craint qu'ils regrettent le temps où ils faisaient partie des Pays-Bas espagnols. Le roi de France est beaucoup plus présent, il y a plus d'impôts, moins de liberté. Donc on se méfie des Arrasois et en plaçant la citadelle ici, Vauban dit qu'elle commandera fort bien la ville, qu'elle enfilera les rues et pourra en abattre les édifices. Pour pouvoir surveiller les deux parties de la ville, Vauban prend un peu de recul et il se met en dehors de la ville. La bourgeoisie arrageoise perd de son autonomie. Le prestige de la ville décline. Mais grâce à ses campagnes, encore, certains réussissent à créer de nouvelles fortunes. À 1 heure de carrosse d'Arras, surgit le château de Barly, bâti au XVIIIe siècle. Dans une logique toute bourgeoise, l'esthétique y est liée à l'utilité et la ferme accolée au château. On voit très bien le château, son parc, ensuite une ceinture de vergers, et ça c'est typique de la région, et au-delà ce sont que des champs de culture. C'est vraiment de la culture quasi intensive pour l'époque. Il faut dire que l'économie du royaume est en train de se libéraliser, en phase avec les idées nouvelles venues d'Angleterre.
En 1763, un édit signé par Louis XV autorise la libre circulation des denrées entre les provinces du royaume, et notamment celle des céréales. Doucement, doucement, ça va. D'immenses propriétés sont bâties, non plus par les aristocrates, mais par la nouvelle bourgeoisie, triomphante à la faveur du capitalisme naissant. Ici, c'est une famille de laboureurs enrichis, les Blains. À l'époque, il y a eu une spéculation sur les blés. Il y a eu des grandes famines, il y a eu des hivers très froids, mais il y a aussi des gens qui ont, au lieu de vendre leur blé à la récolte, ont stocké pour l'hiver. Et il y a comme ça des fortunes énormes qui ont été faites par des fermiers, dont M. Blin. Nous pensons qu'ils ont probablement spéculé sur les blés. Alors comme ce n'est pas très moral, je ne veux pas non plus salir leur mémoire sans avoir de preuves absolues. Mais il semble que c'est à ce moment-là qu'ils achètent ce fief. Visiblement, il y a quand même de l'argent tout d'un coup dans cette famille. Les propriétaires de ces terres les habitent l'été. L'hiver, ils préfèrent se retrancher en ville et déployer leur fortune à travers la vie mondaine, particulièrement animée en ce siècle des Lumières. Dans le centre d'Arras, derrière de lourdes portes cochères, on découvre aujourd'hui encore quelques-uns des dizaines d'hôtels particuliers bâtis au XVIIIe siècle par cette élite foncière éclairée, à l'exemple de l'hôtel de Guines. C'est l'hôtel particulier typique tel qu'on le retrouve à Paris, c'est-à-dire un hôtel qui est en U, qui s'ouvre donc par une porte cochère sur la rue. Le bâtiment principal étant évidemment au fond de la cour. Dans ce genre de lieu, on y tient donc des salons et petit à petit, la bourgeoisie va y être intégrée. Pour faire comme à Paris, l'élite bourgeoise, aristocrate et intellectuelle du XVIIIe siècle se tient à l'avant-garde de la pensée nouvelle de son temps. Une société littéraire fondée à l'époque tient toujours salon aujourd'hui, au premier étage de l'hôtel de Guines. Son nom est l'anagramme d'Artois, les Rosati, qui accueillent à l'époque certains des futurs révolutionnaires les plus illustres, comme Robespierre, natif de la ville, ou Lazare Carnot, de passage en garnison. Les Rosati vont se retrouver là entre eux pendant un certain temps, à la veille de la Révolution. Donc il y a à la fois un chevalier de Saint-Louis qui va côtoyer un avocat, un gradé militaire. Et ces gens-là, bien entendu, sans l'écrire, parlent bien évidemment de politique. Ils étaient bien dans la réflexion de l'époque, de cette haute bourgeoisie, effectivement, éclairée, qui voulait des changements. Devenu plus grand, c'est la terre, terre d'Artois au sol fécond, qui consola ma peine amère avec ce refrain vagabond. Voilà comment Arras est devenu par l'orgueil de ses seigneurs, le labeur de ses paysans, la ténacité de sa bourgeoisie, ce joyau du nord de la France, sur cette terre d'Artois au sol fécond. Pendant des siècles, Vimereux n'a été qu'une dune de sable de plusieurs kilomètres. Mais entre 1860 et 1914, alors que la révolution industrielle faisait la fortune du nord de la France, Vimereux est devenue la station balnéaire la plus courue de la Côte d'Opale, celle de la grande bourgeoisie lilloise. Pourtant, loin de l'exubérance de ses voisines, Vimereux a su cultiver un charme discret, attirant les familles aisées en quête de tranquillité, mais aussi les riches Anglais, séduits par sa proximité. Une parenthèse enchantée qui dure jusqu'à la Première Guerre mondiale et laisse à Vimereux un patrimoine architectural unique, de centaines de villas exceptionnelles. Mais l'existence de la station balnéaire
n'aurait pas été possible sans les rêves de conquête d'un certain Bonaparte. C'est un petit écrin apprécié des gens du Nord. Au bord de la Manche, entre Boulogne-sur-Mer et Vimereux, la pointe de la Crèche fait face aux falaises anglaises de Douvres. En 1804, ce site sauvage, bordé de prairies naturelles, est choisi par Napoléon pour y poster sa grande armée face à l'île ennemie. Napoléon disait que prendre l'Angleterre, c'était se préparer à 2 siècles de paix. Donc le but, c'était d'envahir l'Angleterre, qui était une puissance maritime, mais pas une puissance terrestre. Et donc il va rassembler ses troupes qui vont être réparties un peu partout. Il va établir de véritables petites villes, donc avec café, atelier, bureau, casernement. Et donc il va pouvoir gérer pendant 15 mois une véritable ville de près de 200 000 habitants. Privé du renfort de la marine française, Napoléon doit renoncer à envahir l'Angleterre. Fin 1805, il envoie ses troupes vers un autre destin, à Austerlitz, tandis que certains de ses hommes restent sur place. Le rêve de grandeur de Napoléon va pourtant bouleverser le destin de ce bout de littoral. Napoléon propose donc à ses soldats d'acheter des terrains pour construire des maisons qui n'ont pas du tout la même image que ce qu'elles sont maintenant, mais ça a été les premières traces d'habitation sur Vimereux. Pendant plusieurs décennies, Vimereux n'est qu'un hameau qui se développe paresseusement à l'ombre de sa puissante voisine, Boulogne-sur-Mer, qui a commencé à développer le tourisme des bains de mer. Mais en 1867, une technologie toute nouvelle à l'époque accélère le développement de Vimereux, le train. Financé par la compagnie privée des chemins de fer du Nord, le viaduc et ses 3 arches monumentales dominent encore la ville. À l'époque, c'était un exploit technique de le faire là. On a mis 7 ans à le construire déjà. C'était des marécages, il a fallu le construire sur des pilotis, etc. Ça a été un travail phénoménal. Et en même temps, il fallait qu'il soit solide, mais qu'il soit beau également. L'enjeu, c'était de profiter de la vogue des bains de mer qui avait commencé sur la côte d'Albâtre, à Dieppe, etc., qui s'est développé ensuite sur Boulogne. Et comme à Boulogne, il n'y avait plus beaucoup d'espace pour pouvoir construire, il fallait trouver un autre endroit. Et donc, on a arrêté le train à Vimereux et on a commencé à construire des villas à Vimereux. Les premiers constructeurs de Vimereux sont avant tout des industriels, donc le textile à Lille par exemple, mais également beaucoup de notaires. Ce qui fait qu'à Vimereux, les propriétaires recréaient les structures relationnelles qu'ils avaient dans leur vie habituelle, leur vie de tous les jours. Et donc on se retrouvait quasiment par quartier. On se côtoyait à la ville comme à la mer. Un entre-soi que l'on cultive à l'abri des Vimereusiennes, ces fameuses villas qui feront la réputation de la station balnéaire. En pleine révolution industrielle, les grandes familles du Nord se lancent à la conquête de ce nouveau lieu de villégiature. Imposantes par leur taille, les villas accueillaient des familles entières de la bourgeoisie catholique du Nord qui se retrouvaient chaque été à Vimereux. Au cœur de la ville, la Villa Saint-Jean n'a pas bougé depuis la fin du 19e siècle. Elle est depuis son origine la propriété de la famille d'un avocat d'Hasbrouck, Georges de Groote. Comme c'était une famille très attachée aux valeurs religieuses, le nom de Saint-Jean, je pense, a dû s'imposer. L'atmosphère, c'est plutôt une atmosphère familiale. Cette maison est vraiment une maison de famille. Elle l'a toujours été, elle l'est restée d'ailleurs. Elle existe pour accueillir des familles et elle sert à ça, à accueillir des familles. Donc il y a aussi cette dimension à laquelle nous sommes encore très attachés.
Ça, c'est un album qui vient de ma grande tante. Et puis là, sur cette page-ci, il y a deux photos qui ont été prises à Vimereux. Il y a les trois aînés de mon père et la bonne martiniquaise qui s'occupait d'eux. Et cette photo, elle est, je trouve qu'elle est charmante. Parce que, donc, on a les deux petites sœurs habillées pareilles, l'une avec un filet à crevettes, l'autre avec un filet à papillons, j'ai l'impression. Il y avait de l'engouement pour la vie au bord de la mer, une vie saine, parce que c'est aussi une période où la médecine hygiéniste se développe. Hein. Le fait d'avoir du bon air pour les enfants, et puis de profiter aussi des joies de la plage. Mais loin des innocents jeux de plage, ces lieux de villégiature étaient l'endroit idéal pour continuer discrètement à parler affaires. À travers le mariage, les familles d'industriels avaient su nouer de puissantes alliances. Chez les industriels de l'île Roubaix-Tourcoing, il y avait vraiment un réseau familial qui était très important, qu'on retrouve d'ailleurs ici à Vimereux, dans certaines familles ou certaines villas, où ce tissu social était entretenu à la fois par la famille et aussi par les dimensions économiques ou sociales, notamment à travers les entreprises. Au sein de cette bourgeoisie discrète, chacun se livre pourtant à une bataille feutrée pour distinguer sa villa de celle de son voisin. On retrouve encore parfois les traces de cette rivalité et les souvenirs de voyages en Égypte ou en Indochine. Contrastant avec la tranquillité des familles du Nord, une clientèle plus excentrique vient réveiller Vimereux, les Anglais. Ils apportent avec eux leur art de vivre et vont même jusqu'à installer un golf en 1901. Mais les Britanniques vont surtout édifier autour de 1897 la plus majestueuse villa de Vimereux, les Mauriciens. Propriété de Maurice Hulcock, un riche banquier londonien, cette impressionnante villa devient « the place to be ». On rentrait, il y avait une pièce d'accueil. Après, on rentrait par le grand salon, la réception, avec les grands feux de cheminée. Il y avait aussi une grande salle à manger. En fait, c'était vraiment partout des pièces de réception. C'était complètement hors échelle par rapport à une famille. Maurice Hulcock, il était célibataire et il faisait des grandes fêtes avec des hommes et personnages importants pour faire aussi certainement des affaires en été et il passait du beau temps. Le style architectural, c'était le style édouardien, début du siècle, avec des décors très anglais. Il y avait cette architecture mixte entre métal, bois. Il y a aussi le belvédère, évidemment. Alors la maison qui monte, qui se montre partout. Il n'y avait rien qui allait aussi haut. On voyait à l'époque jusqu'au bord de mer. Il faisait monter les gens pour voir, peut-être, mais c'était, je pense, plutôt pour être vu. C'est plus qu'une villa, c'est quand même... Ça se veut un château, en fait. En construisant la villa des Mauriciens, Maurice Hulcock ouvre la voie à de nombreux autres touristes britanniques. Grâce à sa proximité, Vimereux devient l'un des lieux de vacances préférés de cette clientèle fortunée qui compte bien profiter de ses palaces, comme le Splendide ou le Grand Hôtel. On est directement face à la mer. Il n'y avait pas encore la digue, elle n'existait pas, donc l'hôtel était directement sur le sable. Vous aviez un grand escalier qui permettait d'accéder aux salles de restaurant du premier étage. Et ensuite, on arrivait aux différents niveaux où se trouvaient les chambres. Et toute cette clientèle venait prendre les bains de mer en descendant cet escalier et arrivait directement sur le sable et sur la plage. 100 ans après le projet fou d'invasion de l'Angleterre par les troupes de Napoléon,
ce sont les Anglais qui traversent la Manche pour profiter d'un climat pacifié. Cette clientèle britannique pouvait passer sa journée à pratiquer des sports qui étaient très courus à l'époque. Et pour les Anglais, c'était principalement le golf. Et le soir, on se changeait en smoking et on se rendait au casino où là, vous aviez un panel d'activités extraordinaires. Mais c'est vrai qu'on peut dire que la clientèle britannique est restée plutôt entre elles. Ces grandes familles fortunées, ils étaient quand même dans l'opulence, hein. C'était, on ne se posait pas de questions. Et tout ça va s'arrêter avec la Première Guerre mondiale. Ça va vraiment faire une coupure, hein, dans cette insouciance générale. C'était la belle époque.